Bon, Marc, alors tu as fait un concept de bateau, donc bateau kite. Ensuite, effectivement, on est avec le prototype. Il y a déjà la version commerciale. Oui. Donc maintenant, voilà, 2017, comment tu vois un petit peu la fin de l'année 2017 ou 2018, l'évolution de ton bateau? Premier ou deuxième bateau vendu et surtout des stages. Il faut que les gens le connaissent. Il faut en faire pour pouvoir en acheter un. Donc on a prévu des stages en Bretagne pour que les gens puissent comprendre comment ça fonctionne et puis apprécier ce bateau parce que c'est exactement un bateau que je voulais. Donc il doit y avoir d'autres personnes qui l'apprécient aussi. Des stages à Morkite. En Bretagne, une petite semaine au bord de la mer dans une belle maison. D'accord. Voilà, et à faire apprendre le kite et le bateau. Donc ça sera à quel endroit particulièrement? Ça sera à Port-Manec. Port-Manec, hein. Entre Quimper et Lorient. Voilà. D'accord, entre Quimper et Lorient. Un petit port de pêche. Hein. Un petit port de pêche, voilà. Et puis à la demande, on peut se déplacer avec les deux bateaux et puis faire une semaine avec 6 personnes. Voilà. Donc semaine de formation, bateau. Donc une formation à la voile, oui, au kite, une formation technique. Technique, de bateau, d'apprentissage du bateau. Et avec des sorties quotidiennes. Et bien voilà. Un peu le matin, un peu l'après-midi. Voilà. Et avec une possibilité de formule logement là-bas, peut-être, non? Alors, logement en Bretagne, oui, vous êtes logé. D'accord. Dans notre maison. Donc il y aura une formule logement. Voilà. Et en plus, comme toi, tu es dans le développement durable, tu as une Zoé, tu as un véhicule électrique. Donc je pense que tu seras un petit peu dans la formule environnement bio, produits qui viennent de la terre. Voilà. Le locavore, c'est-à-dire prendre des produits en moins de 200 km. Voilà, zéro déchet, zéro waste, pas de déchet. Bon ben, tout ça c'est bien, ça va dans la... Donc on va suivre ça de près, donc pour 6 personnes. Pour 6 personnes. Ça va être une ambiance familiale, bien sûr. Ah, 3 par bateau, on a 2 bateaux, donc... Voilà, et tu commences cet été? Ah ben cet été, il y a le premier stage, voilà. Et il commence quand? On a déjà fait un stage. Ah. Oui, on en a déjà fait un, en hiver, hein, donc il fait un peu froid. Ça sera bon ben voilà, des stages avec la Morkite pour voir la voile ou le kite ou alors l'environnement ou même ce qu'on appelle le tourisme responsable et le tourisme solidaire plutôt que le tourisme de masse, et ben un tourisme pour 6 personnes, voilà. Allez, à bientôt.